On peut emprunter aux autorités camerounaises l'idée selon laquelle il y a plus de 700 sites de journaux de presse écrite, plus de 150 radios et télévisions confondues, du privé comme du public. Sur un plan purement théorique, on peut penser qu'il y a véritablement le pluralisme médiatique au Cameroun, si on s'en tient aux chiffres, aux nombres. Mais le pluralisme médiatique ne renvoie pas au nombre de radios, au nombre de télévisions ou au nombre des organes de presse écrite. Le pluralisme médiatique renvoie à l'existence réelle de divers organes de presse qui, chaque jour, font jaillir les différents courants de pensée, les différents courants d'opinion, les différents courants d'opinion politique, les différents courants d'opinion professionnelle. Le pluralisme médiatique doit se mesurer en termes de la possibilité qu'il y a à avoir les points de vue dissonants à côté des points de vue convergents. C'est ça qu'on appelle pluralité médiatique. C'est la suite de la première question. Sur le terrain, on observe que la presse écrite du gouvernement ne relaie que les points de vue du gouvernement. De temps en temps, lorsque on est sorti des points de vue officiels du gouvernement, on relaie les points de vue des affidés du gouvernement. Et il est extraordinaire de voir une opinion véritablement contraire s'exprimer dans la presse à capitaux publics. Donc ça, c'est, il y a une situation de monopole. Monopole matériel, monopole financier et monopole idéologique, parce que si la parole qui est promue dans les médias est la parole unique du gouvernement, il y a un monopole de la circulation des idées qui fait en sorte que seule la parole du gouvernement ou les affidés et les alliés du gouvernement puissent avoir voix au chapitre. Donc c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que si on veut effectivement qu'il y ait un pluralisme médiatique, il faut un cadre réglementaire qui prévoit la libre éclosion des idées contraires, la libre éclosion des idées contradictoires, et que la parole ne puisse pas être criminalisée. Lorsque l'opinion contraire peut vous conduire dans une prison, on peut parler de pluralisme médiatique. Le pluralisme médiatique renvoie aussi à une condition sine qua non de la démocratie, parce que la contradiction est essentielle à la démocratie. Or, lorsqu'il y a un monopole d'État, un monopole du gouvernement avéré sur le segment médiatique, il y a confiscation de la parole par une des parties. Ça veut dire que la contradiction qui est essentielle à la démocratie n'est pas encouragée, n'est pas formalisée, et tout le monde peut en déduire ce qu'il veut. Non, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Quand vous constatez dans un pays que le gouvernement a monopolisé la parole, a monopolisé les moyens de circulation de l'information, c'est une violation flagrante des règles d'éthique et d'éthologie en matière professionnelle, puisque on fait obligation aux journalistes de défendre la vérité. Alors, quelle est cette vérité qui ne vient que d'une source et d'un camp? Ça, c'est dont le ministre et son gouvernement sont les premiers à violer, n'est-ce pas, les règles de notre métier, en ce qu'il y a un monopole de la parole. Si la parole est libre, si l'exercice du métier du journaliste est libre, vous voyez, cet exercice n'est pas libre parce qu'on vous dit que le CNC peut vous censurer, peut vous suspendre, on vous dit qu'une commission créée par le gouvernement peut décider de vous donner un cas de presse ou de ne pas vous donner un cas de presse. Donc le gouvernement veut régenter la profession, et c'est inacceptable d'un point de vue professionnel. Le gouvernement ne peut pas demander qu'on respecte les règles d'éthique.
L'une des principales règles d'éthique et de déontologie, c'est l'équité. Alors, lorsque les médias publics donnent la parole uniquement au gouvernement ou aux affiliés du gouvernement, il n'y a pas d'équité et il y a donc violation en premier lieu des règles éthiques et déontologiques par le gouvernement lui-même. Donc, on ne peut pas demander aux autres de faire ce qu'on ne fait pas soi-même. Cela dit, nous savons et nous constatons, une fois le ministre récusé, disons que la violation des règles éthiques et déontologiques est devenue, n'est-ce pas, un petit sport favori au Cameroun. Étant donné que l'État lui-même ne se discipline pas suffisamment, tout le monde est pratiquement dans la dérive. Il y a une propension à la rétention de l'information par les acteurs, et qu'ils soient étatiques ou non étatiques, il y a une propension à ce que la vérité soit travestie par des lobbies financiers, des lobbies ethniques et tribaux, des lobbies politiques, des lobbies claniques et sectaires. Ça, c'est des choses qui ne concourent pas à faire en sorte que, avec sérénité, le citoyen ait pour sa bonne information, n'est-ce pas, tout ce qui émanerait des médias tels qu'on en voit ailleurs dans les pays où la démocratie a un chapitre. Disons que les journalistes connaissent des difficultés liées à l'environnement politique, l'absence de démocratie. L'environnement socio-professionnel marqué par une précarité qu'on ne pourrait pas décrire, ça renvoie à une époque très ancienne dans l'histoire de la presse. Les journalistes ont de la difficulté à accéder à l'information, que ce soit l'information officielle ou à l'information émanant des institutions privées. Il y a le règne de l'opacité lié à l'absence de démocratie, parce que sous les sociétés démocratiques, la transparence et la libération de la parole sont des réalités. Bon, les journalistes ne peuvent pas facilement se mouvoir lorsque ils ne sont pas protégés sur le plan social. Il n'y a pas de CMPS, aucune assurance maladie, aucune assurance accident pour ceux qui vont sur le terrain difficile. Donc, dans ces conditions-là, l'environnement économique, on a quelques officines médiatiques qui permettent aux promoteurs de médias de recueillir de la rente politique ou la rente économique. Mais on n'a pas véritablement, on ne voit pas de personnes motivées par l'information du public. Donc la plupart des gens qui créent les médias au Cameroun, que ce soit la presse écrite, la télé, la radio, c'est des gens qui veulent se faire un peu d'argent. Et cet argent-là se fait sur le dos et aux dépens de ceux qui travaillent pour produire les contenus.